avant ça. Il est généreux, il est opportuniste et il est ambitieux. On a les mêmes qualités. Donc généreux, solidaire, bon copain et bon joueur de foot, surtout. Alors je sais plus, j'ai un doute s'il a joué à Guingamp, mais je pense que c'est Guingamp. Ouais, FC Nantes. Le meilleur combattant. C'est généreux pour les autres. C'est plus facile ça. Mauvais perdant. Ouais, c'est bien. c'est facile. Hein. Râleur. Ouais. Râleur et il n'aime pas l'injustice. Ça va ensemble, je pense. Ouais, un lion. Il rugit. Ouais, un lion, c'est bien, je pense. Ouais, ça me va. Ou un ours. Ça me va. Un ours. Un ours. Xavier, une petite fouine. Un chihuahua. Ouais, une fouine, j'aime bien moi. Ah, c'est bien. Sa technique, sa qualité de passe et sa vivacité, parce qu'on dirait pas, mais il va vite. Il court quand même très vite. Moi je dirais son sens du but, marquer des buts et de garder le ballon dos au jeu. Je peux même pas dire la PlayStation parce que dans le vestiaire il se fait tailler sur ça. La cuisine, il cuisine pas. Non, je sais pas. Talent caché. Bonne question. PlayStation quand même, faut. Ouais. Je dis que on dit toujours mes défaites, mais on dit jamais mes victoires. Ah, faut demander à Jo. Le talent caché que Xavier. Bonne question aussi. Hein. Ah, je fais la cuisine, je fais bien. Ça j'en sais rien, après je sais que c'est un très bon père de famille. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. C'est pas facile. Hein. Ouais, je pense que c'est moi. Hein. Toi, tu cuisines je pas peux, toujours. Je peux me surpasser quand même. Ouais, ça fait deux jours que là je cuisine, là je commence à toucher un petit peu. Je peux me surpasser, mais ça serait intéressant de voir. Plagiste. À moi. À côté d'Alès, un truc comme ça, vers chez lui. Pourquoi pas. Moi, je verrais bien videur de boîte. Grand, costaud, un peu énervé comme ça. Ah, ça peut être bien. Si, il met toujours sa montre qui est cassée le jour de match. J'ai arrêté maintenant. Mais c'est vrai que j'avais une montre cassée et je la mettais toujours le jour du match parce que. Je portais chance. Pas. Peut-être de crier avant le match pour se donner du courage. Moi, si, deux fois. C'est toi qui crie. Souvent je crie, mais. Je vais pas dire les mots que tu dis, mais. Toi, tu me dis. Non, j'ai pas de truc. Non, je sais pas, je vois si, pas. Des fois, quand je marque, j'essaie de garder le même caleçon la semaine d'après. Je pense qu'on l'a un peu tous les deux, mais... Mais je pense que je le suis plus. Ouais, moi, ça dépend de mon humeur du jour, en fait. J'essaie d'arrêter mes petites choses. Je pense que je l'étais beaucoup, beaucoup plus avant. Mais je pense que oui, je reste encore au-dessus de... Xavier. La montre, des fois c'était à un moment c'était le caleçon. Ah, le caleçon troué aussi. Le caleçon rouge, et alors des fois il était troué, mais je le mettais quand même. Mais parce qu'il marquait beaucoup, de crier des fois avant le match, de dire un petit peu les mêmes choses pour se donner un peu de courage et puis d'énergie. Oh. Là, je pense que tous les deux, on est bien. On est pas mal. C'est pour ça qu'on essaye de gagner le plus possible, quoi.
Si on perd dans les règles, ça va. Mais s'il y a des petites injustices ou des erreurs d'arbitrage ou des trucs comme ça, ça là, ça va pas. Bah, on fait un peu la même chose, hein. on joue aux cartes, au Uno. On fait la même chose, avec nos compatriotes aussi. Mais... Et quand c'est le moment d'aller au stade pour faire le match, on écoute la musique. Bah, pour l'instant, c'est moi. Au classement, je suis devant lui. Ça varie. Hein. Mais ouais, c'est des périodes. On n'est pas au premier du classement, mais on est surtout pas dernier. On dira pas le nom du dernier, mais... on dira pas qui c'est qui est dernier, mais en tout cas, on n'est pas dernier. Bah... Il n'y a pas vraiment de créateur d'ambiance, parce qu'on s'entend tous bien. Que ça soit nous, les étrangers, avec les Belges, que ça soit aussi avec les autres. On est un groupe qui vit bien ensemble, je pense. Oh, il dort pas mal là-dedans, non? Il y a Jérémy aussi. Ouais. Jérémy, il dort. Jérémy Kamal. Jérémy Kamal, ouais. Je pense que c'est le dur. Toujours, mais pas qu'avec les dormeurs. Non, on se charrie beaucoup. Mais je pense que c'est bien parce que ça prouve qu'on a une très bonne relation avec tout le monde. Si on préfère goal ou assist? Moi, je me suis habitué au goal, mais je reste quand même sur les assists. Bah, comme dans la vie, j'aime bien faire plaisir aux gens, je pense que sur le terrain, c'est un peu la même chose, quoi.